Je pense que je vais pick Mukla. Je déteste Oki, je déteste le chat. Et je déteste des Zephyrs en ce moment. Donc go Mukla. Ok. Y'a pas bête, mais bon. Pourquoi t'aimes pas Zephyrs? Parce que c'est nul. C'est trop lent et... Je sais pas. Je trouve faible. T'as pas bon early game et... Utilise ton pouvoir pour chercher des 4, c'est nul. Donc c'est plutôt pour chercher des 5 et des 6. Et ça se met trop mal, je trouve, le jeu comme ça. 3 fois Gallywix en 5 parties, 2 top 1. 1 top 2. Bah t'es le boss, déjà toi. T'étais meilleur. J'ai envie de mettre des bananes sur tout là. J'imagine que je vais partir là-dessus. J'imagine que je prends la paire, pas tout du coup. Yes go! Let's go la giga banane! Osef du tout du coup. Je pense pas que je veux prendre ça. Même si on pourrait essayer de voir une pseudo synergie. On pourrait booster les deux en vrai du coup, j'avoue. Je sais même pas si j'ai joué un autre serviteur sur le board là. Selon ce qu'on propose. Après, je peux les prendre et les mettre devant, ouais. Réfléchissons, qu'est-ce qu'on va faire dans cette putain de game? Pareil, Goza serait évidemment une option, mais on n'y est pas encore. Je pense que je prends ça et je roll. Et je les mets devant, et je banane là. Y aura-t-il du ladder? En fin de stream, peut-être. C'est que j'ai surtout envie que l'un ou l'autre booste l'autre quoi. Bon lui je vais le défoncer, je peux mettre ça devant contre lui. Pour mettre plus de dégâts. Je suis chaud pour faire une Rafam Curve. J'aimerais bien aller chercher Tarek Goza. Comme ça les boosts de notre looper restent. Mais on va voir. Gardez de bon, c'est fort, il a bien touché. Il a très très bien touché. C'est la meilleure carte qu'il pouvait avoir. Une telle victoire, ça se fait. Bon, moi ça a beaucoup d'attaque et ça boost quoi. Je vais pas faire une Chinese Curve là, je pense. Tu sais que j'ai aucune idée de comment on va jouer cette game, c'est trop bizarre. Je vois Tarek Goza, Vaifante qui coule, la Toxie 1, Murloc Toxie aussi, mais pas facile quoi. Pas facile. Bon, pour moi, ça respecte les 50-50. Hein. C'est parfait. Le 2, j'ai pas envie que ça soit boosté. Lui, c'est ok. Je pense qu'il prend les stats de poids de vie. Donc, je peux probablement placer comme ça. Sachant qu'en plus, l'avantage de placer comme ça, c'est que. Ok, il a pris bouclier divin. Advo. Bon joueur, Advo. Sachant que contre Acolyte, c'est très bien de jouer comme ça. Et au pire, si je booste juste là, l'autre, c'est très bien. C'est quand le reset de ma mère. Ça devrait être. En janvier, probablement. Quand tu auras une grosse mise à jour qui devrait tomber probablement en janvier. Ah ouais. Lui il est énervé. A gauche, à droite, à gauche, à droite. Ah terrible. Au milieu. Ouais ok j'ai perdu. Ok. C'était le pire scénario.
Droite. Ouais. 25% Sad. Bon, après, on prend moins 2, je pense que ça va, on accepte. Tolérable. Quel est le plan ensuite? Conquérir le monde, Minus. Conquérir le monde. Ah. Pas de chance. Objectif triplé lui. En 3, je pense pas qu'il y a grand chose qui m'intéresse à part Tarek Goza. Il y a juste Tarek Goza, je pense. Donc il y a de grosses chances que si j'ai pas grand chose, je fasse up, Hero Power, Ego quoi. Donc pour rappel, normalement les bananes, si je dis pas de conneries, ça a été changé 3-4 fois. Hein. Actuellement, c'est 50% de chance de vous donner une grosse banane. Et avant, au tout début, je pense que c'était 1 chance sur 5, puis 2 chances sur 5, 3 sur 5, puis 1 chance sur 2. Ça a changé plein de fois. Et encore avant, c'était encore autrement. En gros, tout début du jeu, c'est quand tu achetais une bête, je pense, ça te filait une banane. Je pense que c'est ça. Je suis pas certain, il y a très. Ça date. Pas de Tarek Goza et pas de triple. Package Murloc, mais je pense pas que ça m'intéresse. Je vais te les laisser, Fongi. Je vais te les laisser, mon grand. En 4. Quand tu vendais une bête? C'est quand tu vendais? C'est peut-être vendre ou acheter ou poser, je sais plus. Je ne sais plus. Oh. Je préfère éviter Murloc quand je peux l'éviter, donc je vais pas pick ça clairement. Évitons Murloc. À part évidemment avec lui, hein. Ou si j'ai un Bran ou ce genre de choses, mais. Je sens que si je pick ça, je vais le regretter. Le seul truc qui est cool en prenant ça, c'est que lui a pas mal d'attaque, du coup ça fait une pseudo-synergie avec ça, mais ça avait peut-être limite. Ah mais c'est toujours une banane pour tous les autres, hein. Tous les autres là, ils récupèrent des bananes. Ça je n'ai pas parlé, mais ils récupèrent tous des bananes là. Pour ça que le gardien était 3-2 là par exemple. Là je leur file des bananes à chaque joueur. Ouais, on est derrière, mais je m'y attendais, hein. J'ai up et pas lui, et... Yep. Yep là, let's go. D'où l'intérêt de le foutre quand même à droite. 3 attaques, c'était décent. Il est à 23, j'étais à 24. On est full vie. On a perdu un peu d'armure, mais on est quand même full vie. Avec le Mukla. Est-ce que up 5 est vraiment legit? Ça me paraît un peu suicide. Faut que je renforce le board, mais ça c'est pas incroyable. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons 4. Ah. Complicada. Chier. Il n'y a pas bête en plus. Bah ouais, je veux up, mais il a up là non lui. Il n'y a pas d'op. Vas-y, go. Je te suis, frérot. Je te suis. Le truc, c'est que... Cadge... Je le sens galère. Le problème, c'est que op 5, c'est chaud, mais... En 5, je peux avoir Vaillefort qui est cool. Je peux avoir la Toxi AA. Et je peux également avoir le Murloc Toxi. Donc bon.
Il y a ça qui serait trouvé, je sais pas trop, ça me chauffe moyen. Je regardais comme ça le placement. Massacreuse, je sais pas trop. Mitrax non plus, je sais pas trop. J'y pense, mais vite fait quoi. Ça c'est chiant. Après ça proc. Voilà! Non! Dommage, perdu. Ouais, Psy c'est mort, je pense. T'arrêtes, Goza promo, ce serait cool, mais il faut qu'il se dépêche là. Parce que je vais te mourir. Je trouve pas avec des cartes, mais. Oh, nice. Let's go, nice. Ça, c'est bueno. Deux, quatre, cinq, six. On pourrait pick ça pour aider le sceptique à proc. Protect aux deux démons est très bien. Protect? J'ai pas compris. Il n'y aura pas de cleave, il n'y a pas de bête, ouais tranquille. Argus? Ouais. Avant non, mais maintenant ça devient intéressant, ouais. Maintenant Argus ça me plaît. On évite de booster la 2 de merde comme ça. Allez à droite, à gauche. Ok, fine. Enfin. Ouais, si. Si les trois meurent, je peux lui donner la. Deux même, ouais. Parfait. À gauche? Non, à droite, c'est mieux. Non, j'ai menti. J'ai menti. On a donné deux toxis. On a donné deux toxis déjà, c'est cool. En vrai, c'est mieux que ça proc à gauche pour les prochains fights. Pour là, c'était mieux à droite, mais pour la suite, c'est mieux à gauche. 16 points de vie, c'est parfait. C'est parfait, c'est pour être vie, c'est-à-dire qu'on peut pas mourir sur ce fight, c'est excellent. Objectif tripler lui, objectif Argus. On pourra foutre ça devant de toute façon. Démon. T'as 23, il joue avec Tiscolaire, ouais. Vaillant, tripler ça. Argus, ouais, je pense pas que je up. L'héroïne est probablement une mauvaise idée avec ça en vrai, probablement. En tout cas. Bof. Ok. Ouais. Ça me faisait un peu peur qu'il y ait des toons de merde, mais en même temps il faut que ça meure rapidement pour que reproc quoi, pour la suite. Donc c'est plus lui qui est chiant qu'autre chose quoi. Ah, fait chier. J'ai vraiment besoin d'un Argus et de le tripler. Triple plus Argus, c'est vraiment bien. Surtout que je pourrais virer la carte de merde à droite.
Argus triple. Je veux pas triple plus ça. Ah, il joue Murloc lui. Logique. Tu me diras logique. Non. Let's go, bonne nouvelle. Let's go. Let's go, let's go. Vous avez fait le bonheur de ce serviteur. Huh. Ouf. C'est à dire que je joue sans taunt là. Je pense que j'ai pas trop le choix. Ara aussi, y a pas de bête, j'ai pas trouvé d'Ara frérot. Je pourrais pas. Ouais. Too late. Le problème c'est que le Vaifand faut qu'il meure quoi, donc c'est pas gagné. Ni bon. On va le booster lui hein, bon. Tu sais que j'ai pas envie de booster le Vaifand. Hein. Pas maintenant. Quand il sera taunt, oui, mais là. Si le mec joue avec un Vaillefante, ça m'arrange quoi. Ça devrait pas changer grand chose. Les deux seront morts avant et il devrait y avoir un mort avant. Ça devrait pas avoir d'importance en fait. Il aura déjà Toxi au moment où il tapera ou il sera déjà mort en gros. Ou les deux autres seront morts, oui. Autre possibilité. Oui, il peut sniper aussi le Toxi. Bah GG, il a survécu, 2 points sacs, c'est beau. Ça m'arrange pas, mais GG à lui. Du coup, j'ai pas la Toxi là, et j'ai toujours pas d'Argus. Démon. Con démon, je suis théoriquement bien, mais toujours à la recherche de l'Argus. C'est une Toxi pour sûr, à défaut de lui qui a pas la Toxi, donc peut-être que je peux le pick. Probablement. Ouais, il joue pas de... bouclier de toute façon. Argus, messieurs dames. Il me faut l'Argus, je vais pas piquer ça alors qu'il master roll, je pense. Oh. Le truc, c'est que ça peut aider sur les petits rip-up de merde. Ah, oh, ça casse les couilles. Avec les ripop des démons, ça peut être chiant contre Dao 3, ils ont pas beaucoup de poids de vie, donc je vais quand même le faire. Mais je suis pas content. Pas la 3-2. Je pouvais pas, si je voulais repower, si je dis pas de bêtises. Sauf que je peux pas. Je vais quand même le booster. Surtout contre démons. Je suis content de ce qu'on a réussi à faire avec Mukla, mais sur l'Argus, je suis pas serein. Nice. Hero Power est moins fort que la 3-2. En vrai, oui, non. Si on peut protéger le Vaifand, mais protéger le Vaifand est pas si bien là, quoi. En vrai. C'est chaud hein. Après je suis devant et hein, l'autre il est sorti des enfers mais bon. Putain on est beaucoup à être low hein. What the fuck. Milouz, démon, normalement on a théoriquement une compo assez intéressante. Argus s'il vous plaît messieurs dames. À votre bon cœur. Ouais.
On aura le temps de l'avoir adoré en vrai. À ce rythme-là, on l'aura adoré, hein. Vas-y. Go là, je pense. 5. Ah. 7, 14. Il y a Toxi de toute façon. 5, 5. Ouais. Peut-être le faire passer à 6. Ouais. Comme ça, si on zap et que je tape premier, le zap tape instant là. Lui ne meurt pas. C'est cool. 7, 7, peu importe, ok. Ok. Alors, du coup, en mettant ça en 2, c'est peut-être moins intéressant, mais c'est pas grave. Ah, c'est ultra close. Il faut qu'il tape à gauche. Tape à gauche, mon grand. Tape à gauche, bordel de merde. À gauche, à gauche, à gauche. Ah, va te faire. Je suis pas mort. Moins 10. Ah, putain d'Argus! C'est pas mieux d'utiliser l'or pour roll, non. Parce que quand il me reste des golds, c'est vrai que je roll. Si c'est pour fils derrière, c'est nul. C'est pas correct. Ok. Je vais devoir commencer à piquer Ruin à la place de lui, hein. No joke. Ah, j'avais dit qu'on allait le triple avant de trouver un Argus. Vas-y, va te faire foutre le jeu. J'ai d'abord roll pour l'Argus. Le truc, c'est que contre lui, genre, ça c'est moins intéressant qu'une héroïne potentiellement si tu as trouvé les toxis. Mais il les avait pas tout à l'heure, donc c'est pas sûr que tu les auras. Mais au moins, l'héroïne elle meurt quoi. Pas évident, hein? Délicat, toujours délicat. Ouais. Contre Bran, il y aura 3 HP au cas où. Je pense qu'il aura peut-être Toxie, mais s'il l'a, il l'a pas sur tous les serviteurs. Forcément, parce qu'il n'a pas de Toxie tout à l'heure. Il y a 3 tours de mémoire. Et en 3 tours, je suis pas sûr qu'il a réussi à avoir full Toxie, voire même avoir Toxie. C'est ça. Du coup, j'ai mes chances. Mais il a trouvé Héroïne, et ça peut être chiant. Ok, ça c'est cool. Faut que ça meure à gauche. Mauvais. À gauche, à gauche, à gauche! Ouais. Pas d'Argus de toute la game. Et 36%. Et tout à l'heure, il a survécu à 96% que je tue. Ça, c'est pas choquant, mais qu'il nous la mette alors qu'il a survécu à 96% que je le tue tout à l'heure et qu'il finisse 8ème. Genre vraiment se faire scam par lui alors que nous, on a juste besoin d'un Argus sur cette game. Juste un Argus. Un Argus, on était bon. Un Argus, c'était réglé. Aïe aïe aïe. Pour ça que j'étais en mode bah si je vois une héroïne, je vais la pick en fait, je vais virer le démon, il se fout de ma gueule. Moi tu fais top 3, 4, 5. Non, je fais 4, 5 là. Lui il a envie justement, lui il est 3. Lui il aurait dû être 8ème, mais il est top 3 là. Aïe aïe aïe. Sachant que on pique Mukla, donc déjà de base on se fait baiser. Pas oublier que de base on doit pique Mukla. On arrive à faire un plan. Et tout ce qu'on demande c'est un Argus. C'est tout ce qu'on demande, je veux rien d'autre. Mais non, ça c'est pas possible. Aïe 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 aïe. Dommage.
Pourquoi Eroé n'est pas le démon? J'ai pas compris. Pourquoi Eroé n'est pas le démon? Comment ça? Pourquoi j'aurais préféré l'héroïne? Parce que le démon meurt pas, comme tu l'as vu encore ici. Le problème, c'est qu'il y a plein de fois où il risque de ne pas mourir ou de ne pas mourir, et s'il meurt pas, je suis baisé. Là, s'il meurt, le démon, c'est... On gagne le fight, hein. Pour peu que ça booste là, les toxis. D'où l'importance d'avoir un Argus. Et c'est pour ça que je suis en mode, bah si j'ai pas d'Argus, bah et que je vois une héroïne, je la pique, tant pis. Sachant qu'en plus, l'héroïne a un gros avantage par rapport à lui, c'est qu'en late game, contre des toxis, tu préfères avoir une héroïne que le démon. Parce que boost d'HP contre des toxis, ça sert à rien. Mais lui, comme je t'avais dit, je me doutais qu'il avait probablement pas de toxis. Ou, s'il avait des toxis, il était pas full toxi.